idéal, imaginer une journée dans un monde idéal, dans un futur idéal. Je trouvais ça intéressant de savoir un petit peu ce qu'une classe de quatrième, ce dont pouvait rêver une classe de quatrième. Quelque chose comme une vie adulte, mais un peu fantasmée, quoi, un peu tout ce que ça peut avoir de farfelu, puis aussi leur donner envie d'imaginer des choses qu'on peut pas forcément réaliser, mais au moins juste les imaginer, des fois ça fait du bien, quoi. Je ferme les yeux, 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 je ferme les yeux. J'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux. Oui, le premier jour, on a fait des instruments de musique. On nous a enregistrés pour créer des pistes musicales. J'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes yeux. Aujourd'hui est un jour nouveau. C'est un matin comme les autres. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je suis en pleine forme. Chaque jour est toujours comme la première journée d'été. Je me lève à n'importe quelle heure. Il n'y a pas collège. Je me lève comme si rien ne s'était passé hier ou avant-hier. Je me lève à n'importe quelle heure. Je me lève quand je veux. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est ce que j'aime. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est ce que j'aime. Je me lève quand je veux. Je suis riche et je n'ai pas besoin de travailler. Je me lève comme si rien ne s'était passé hier ou avant-hier. Aujourd'hui, je suis heureux comme si c'était un rêve. Aujourd'hui est un jour nouveau. Je me lève comme si rien ne s'était passé hier ou avant-hier. Bon, avec l'aide de Jérôme et de Caroline, ben, voilà, on a trouvé des instruments et on a fait des petits morceaux de musique. Oui, on pouvait faire un peu de tout, donc c'était super. On peut se défouler. Restaurant. À l'intérieur, il y a des hommes, des femmes, des personnes de toutes les nationalités, de tous les âges et de toutes les religions. Des grands, des petits, des bruns, des blancs, des roux, des enrobés, des maigres, etc., etc. Ces personnes sont réunies autour d'une grande table. Dans ma ville, plus personne ne vit dehors. Ces personnes sont réunies autour d'une grande table. Ces personnes Elles sont parlent réunies et rient ensemble. Il n'y a plus d'enfants tristes. Ces personnes sont réunies Elles parlent et autour d'une grande table. Elles parlent et rient ensemble. Je ferme les yeux, 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 j'ouvre mes 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 yeux. Fernext, Fernext. Le fait de découvrir plusieurs instruments qu'on a enregistrés en musique. Et de pouvoir se mettre à la place d'un chanteur, on n'avait jamais fait ça. Le deuxième jour, on nous a fait la visite de l'association Ambi à Bière. C'était bien. À la guitare électrique, je ne m'attendais pas à ce qu'on puisse faire des choses aussi puissantes au niveau du son. On a été faire une visite à Ambi, là où on a rencontré Michel Clou. On nous a fait un mini-concert de 30 minutes. Mais après, il a vraiment une très belle voix et il chante vraiment très bien. Je panique, je ne sais plus quoi faire. Le troisième jour, on a commencé à écrire la chanson parce qu'on nous a donné le thème. Nous avions écrit des paroles en relation avec le monde idéal. À la fin de la scène, comment revenir à la réalité, car ça fait peur. Nous sautons en parachute et atterrissons dans un verre. J'ouvre mes yeux, la notion du temps n'existe plus. Cette journée a été épuisante. C'était dans le futur, mais ce qui était bien, c'est qu'on pouvait imaginer ce qu'on voulait parce que vu que c'était dans le futur, il n'y avait pas de limite. Enfin, on a dû faire un enregistrement
et franchement les ateliers c'était super bien. L'enregistrement où j'ai aimé parce que je pouvais crier concombre. Ouais, ça fait bizarre de s'entendre pour la première fois sa voix dans un casque et ça fait bizarre. Mais après ça va. Il y a des vaccins pour toutes les maladies, même pour la bêtise, et en plus ça fonctionne. La vie est si fragile, il ne faut pas la bêter. La vie est si courte, il ne faut pas plus la découper. Je me lève à 11h, je prends un holomac. Le Big Mac du futur avec un steak en hologramme. Dans mon menu, il y a aussi des frites électriques. Avec un tech fleuri, c'est le Mac fleuri high-tech. Je suis un crazy toy de nouvelle génération. Je ne tue personne, je suis naturellement riche. Je n'ai pas besoin de voler. Je rentre chez moi à 450 km/h, provoquant des accidents et n'ayant aucune contravention. Car je suis un crazy thug, car je suis un crazy thug. Ma valise est faite, c'est parti, c'est parti. 7 heures d'avion, passer à côté d'un garçon. Heureuse, 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 heureuse. D'autres rêves encore plus fous que celui-ci. Je prends mon Uber fantôme. Je vous ai pas dit, mais entre-temps, je suis devenue présidente des États-Unis. Et je vous avoue que ce n'est pas un travail très facile. C'est une journée comme les autres, malgré le fait que mon père soit à l'hôpital. Je me prépare pour aller le voir. Il est 10h, je mets mes chaussures quand le téléphone sonne. La femme me dit « Bonjour, c'est l'hôpital. Puis-je parler à Madame Leblot ? J'ai quelque chose d'inouï à vous dire. Vous pouvez venir chercher votre père, il s'est réveillé. » Je cours à l'hôpital pour le voir et je lui saute dans les bras quand je le vois. Je lui dis « Je t'aime » en pleurant de joie. Retour infini du temps amélioré. Ce genre d'atelier, c'est aussi pour sensibiliser ou donner envie à des enfants de faire de la musique, d'écrire, leur montrer autre chose, qu'on peut travailler autrement. Je pense que c'est la première fois pour beaucoup qui voient ou qui entendent ce genre de musique. Et je trouve ça intéressant de les confronter à des choses sans chercher à forcément les faire adhérer à quoi que ce soit, mais juste de montrer quelque chose d'autre et de montrer un peu ce que c'est un travail artistique. Et voilà, essayer de les amener quelque part ailleurs, quoi. Ailleurs que dans l'école, ailleurs que dans leur vie. Et un peu ce que je recherche, moi, en étant musicien, en écrivant des chansons, en faisant des choses, quoi, de sortir un peu de ce monde ennuyeux. Ça me donne vraiment envie. Après, est-ce que je vais réussir, je sais pas, mais oui, ça me donne vraiment envie de devenir artiste. L'expérience, c'était notre première expérience, du coup, c'était bien. Merci, c'était très bien, c'était une bonne expérience. Ben merci d'être venu pour ce projet. Merci, Paul. Merci à tous.